Grammaire progressive du français, chapitre 3, niveau débutant. Ils sont grands, elles sont grandes. <coughs> so, we have the masculine, masculine plural here, we add an S. And feminine plural, we add ES. Description. Max est grand, il est blond. Max is tall, he is blonde. Léa est grande, elle est blonde. Léa is tall, she is blonde. Max et Léo sont grands, ils sont blonds. So, they are tall, they are blonde. Léa et Ada sont grandes, elles sont blondes. So Léa and Ada are they are blonde. Max, Ada et Léa sont blonds, ils sont blonds. So we add an s for the plural because everything is masculine here. So when we have a group of people, there is, a, say, uh, 10 women and just one guy, the group is going to be masculine. But it's changing a bit. We are trying to change these kind of rules. It's still not official, but we're trying to change certain things now. So. Singulier, pluriel des adjectifs. We are just talking about adjectives here. So, il est blond, ils sont blonds. Elle est blonde, elles sont blondes. Il est étudiant, ils sont étudiants. Elle est étudiante, elles sont étudiantes. OK? We have particularities. If in the, in the singular form, we already have an S or an X, that means we're not going to change anything. Pas de changement. OK? Il est français, ils sont français. Il est vieux, ils sont vieux. The only change we're gonna have is we, if we use a feminine form. Il est beau, ils sont beaux. So this, this you have to be careful. Uh, if you have the ending of eau, be careful. I say eau. Uh, we're gonna have uh, to add an x. Okay, but be careful on this one because we're gonna have to to see uh, to check a full list because we have like let's say uh, un journal, it's a newspaper, des journaux. Okay, so but that's a noun, it's not an adjective. So all we have to do here is to add an s. Il est américain, ils sont américains, ils sont bruns with an s, ils sont étudiants with an s, ils sont grands with an s, ils sont mariés with an s, ils sont gentils with an s. Now féminine, Tania and Zoé. Elle est brésilienne, elles sont brésiliennes with an s, elles sont brunes with an s, elles sont danseuses with an s. Elles sont grandes, with an s. Elles sont célibataires, with an s. Elles sont gentilles, with an s. Okay, don't have to do this one. Les actrices, elles sont belles et célèbres. So I'm assuming you know we have to keep uh, the two adjectives together hein, here. Les savants, like geniuses, sont intelligents, with an s, and distraits, with an s. Les princesses sont riches, with an S, et malheureuses, so we're going to change that, <coughs> malheureux, malheureuses, so e u s I -S, -E s because it's a plural form, so malheureuses. So, I'm just wondering if I should just write it, yeah. So, malheureuses, there we go. Les basketteurs sont grands, with an S, musclés, with an S. Les Martiennes sont curieuses. The most important aspect is uh, the feminine, because it's not easy. Et courageuses. I don't know why they say that? So amusant avec an S, petit with an S. Narcisse et Adonis sont beaux with an X. Anglais, we don't change, pas de changement, because we already have an S. Roméo et Othello sont jaloux. We don't change, it stays the same. Okay? So, anglais stays the same. So, il est allemand, elle est allemande. Okay? Elle est chinoise. Elle est, elle est russe. Okay. Ils sont allemands. Ils sont chinois. Chinois <coughs> et elles sont russes. Ok, je suis tué, il est ça. Uh, to refresh the memory. I am, you are, he is, she is, one is, or everyone is. En informant, oui, we are, you are, you guys, or you formant they are masculine, féminine. Ok, ils sont, elles sont, vous êtes, et nous sommes. Okay, so <coughs> we know the difference between vous and tu. Vous êtes prêt, Monsieur Meilleur Vous êtes prête, Madame Meilleur So you is for man, for a guy and a woman. So we add an e for the feminine form. Tu es prêt, Papa. Tu es prête, Maman. Again, hein, we can uh, add a feminine form to this adjective. Vous, vous êtes prêt. So messieurs, guys, sirs. Hein, Leo papa, are you ready guys? Okay, with an s. And if you talk to a group of women, vous êtes prête, okay, vous êtes prête. So if I say vous êtes prête just for a woman, I cannot have a, a, a Plurion form. It's only if I talk to a group of people, vous êtes prête, okay. On nous, it's the same, but nous is is a plurion conjugated form, conjugated form. On is can be a group of people as well. Hein? Jean and moi on est enrhumé on est fatigué so John and I we are we caught a cold I guess um, and we are tired On is a generality so quand on est enrhumé, on est fatigué it's like one is sick one uh, uh, one is tired okay so it's just a generality huh, to talk about people in general so and it's very easy here huh? tuer. Ada est ici. Léo est ici. Nous sommes. Vous êtes. Les enfants sont. Ada et Léa sont gentils, fatigués, etc. It, here it's really easy. It's the same, same old, same old, same monde. So content. So here, if we have a verb starting with a, an e, we're going to have to drop this e and have the, an apostrophe. So in a sense, what I do is the apostrophe. Okay. So content d'être à Paris. Triste. De partir, désolé d'être en retard et heureux d'être en vacances. Ok. So it's the same, same, same. And that is it. That is it.